Oui, non, mais c'est bon, tout le monde va jouer, je vous promets, tout le monde va jouer. Aujourd'hui, je vous utilise tous. Ça fait 2 mois et demi que vous n'êtes pas sortis. Donc là, aujourd'hui, c'est déconfinement pour tout le monde. Hey, salut les amis, ça y est, vidéo de déconfinement. Alors ça, comme on est au golf, heureusement, j'en ai pas besoin. La pratique du golf est autorisée, en plus sans masque, parce qu'on est dans la nature. On respecte la distanciation sociale. Et aujourd'hui, c'est reprise. Alors, vous noterez la tenue quand même, pantalon vert pour rendre hommage à tous nos personnels greenkeepers qui ont entretenu ces terrains. Casquette blanche et verte en hommage au personnel hospitalier. Et aujourd'hui, c'est ma vidéo de déconfinement. Donc, la grande question qui se pose, comment va se passer le golf? Après 2 mois et demi de confinement et 2,5 kilos à cause du confinement, c'est la question que je vous propose de résoudre aujourd'hui. Donc on est au golf des Cancours aujourd'hui, mon petit golf favori. Il a été entretenu comme tous les golfs en France. Il est absolument magnifique. On est aujourd'hui mardi et on va s'apprêter à faire un petit tour ensemble de déconfinement. Le but, c'est de prendre le plus de plaisir possible. Donc mes clubs me réclament de jouer. Oui, calmez-vous. Donc j'ai décidé que j'allais tous les utiliser. Donc bah voilà, un autre mode de jeu un peu différent. Allez, on est parti. Ce premier coup de golf d'après confinement. Oh là 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 là. Elle est pas mal, dis donc. Donc voilà, j'ai pas pris de risque. Faire 7 pour ce premier coup de départ à Écancourt, allez, bienvenue. Suivez-moi, on est parti. Alors voilà, c'est ma partie de déconfinement. Je me sens un petit peu tout serré dans mon pull. Mais c'est normal, hein, 2 mois de confinement, c'est 2,5 kilos, paraît-il, en moyenne. Donc j'en fais partie. J'ai pas osé me mettre sur une balance. Et puis bah retrouver quelques sensations, là, c'est plutôt agréable. D'aller golfer, de retrouver la verdure, les fairways, un peu de nature. Donc le golf est une des activités qui a été autorisée à reprendre à partir du 11 mai. Donc aujourd'hui on est mardi 12 mai, j'ai laissé passer la tempête hier. Et puis on est à Écancourt, un beau petit parcours associatif. Donc pareil, pas de visiteurs pendant 2 mois, le jardinier qui a bichonné le parcours. Il est absolument magnifique. D'ailleurs, je vous donnerai les tarifs. Ils font une offre exceptionnelle. Je crois que c'est le golf. Je pense que c'est le golf le plus accessible de l'Île-de-France. Donc là, trou numéro 1, on a joué. C'est un par 4. Et puis, bah, je suis allé me mettre aux alentours des 100 mètres. Ça fait 2 mois que mes clubs réclament. Donc j'ai décidé de tous les jouer. Donc j'ai fait un départ au fer 7, hein, pour le premier coup de la journée. Et puis là, faire 8, et je vais m'aligner sur le peuplier qui se trouve là-bas. Voilà. Elle est partie un tout petit peu à droite. Ok, je l'ai vu rebondir, bord de fairway un peu dans les arbres là-bas, mais c'est pas grave, le contact et la sensation est en train de revenir. C'est trop bon, les amis, c'est trop bon. Qu'est-ce que je l'aime ce parcours. C'est un 6 trous, il est question même 6 trous, il est passé à 8, il va peut-être passer à 9. Et là, il est absolument bijou, comme beaucoup de golf en France. Je vous laisse regarder ça. Alors, où se trouve ma balle? Et ma balle se trouve là. Donc là, j'ai sorti le... Hey, un club particulier, un 64. Un club spécial bunker. Ah, il est trop court. Ah là là. 1, 2, 3, c'est bizarre, il est très très ouvert. Mais il est pas mal du tout. Bien. Oh, vous me l'accordez celui-là. Je vais quand même sortir mon putter pour le plaisir d'aller putter. Hop, une petite coupelle. Bon, normalement c'est donné ça. Hop, voilà. Hop là. Allez. Oh, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Allez, on va faire le trou numéro 2. On se retrouve au trou numéro 2. Alors, le parcours des Cancours, vous le connaissez, hein. J'ai joué pas mal de vidéos ici. Les premières vidéos de la chaîne ont été tournées d'ailleurs ici.
J'ai joué l'année dernière en scramble avec les copains. C'était ma reprise. En fait, je reprends souvent le golf sur ce petit parcours. En réalité, il est super intéressant quand on débute le golf. Il est vraiment plaisant et je vous invite à venir le découvrir. Et même pour les bons golfeurs, il est vraiment agréable. Et donc, après avoir joué un fer 7 et un fer 8, je vais jouer là. Un fer 6, on est à la plaque 128 mètres. Et en fait, il monte. Il y a un petit peu de vent. Allez, on est parti. Allez, pas mal, c'est pas le meilleur des contacts. Elle est sur le green. Allez, montez. En fait, je me demandais si le golf c'était comme le vélo. Ça se perd ou ça se perd pas? Bon, après, les automatismes, quelques automatismes qui se perdent pas. En sensation, c'est plutôt agréable là pour une reprise. C'est pas encore ça, hein. C'est pas encore les grosses sensations comme quand on a entraîné, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça fait plaisir de retoucher les clubs après une si longue privation. C'est un vrai bonheur. Et puis ce parcours est comme tous les parcours, hein. Dites-moi comment était votre reprise, votre partie de reprise. Mais ouf. Alors non, je ne suis pas sur le green. Une approche de green. Tenez, regardez. En fait, la balle a rebondi devant le bunker, là. Elle est passée au-dessus, elle est dans le coin là-bas. Ma balle est là. Le drapeau est là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Alors. Allez. Beaucoup de conseils internet, hein. Vous en avez vu un paquet comme moi. Vous êtes occupé sur YouTube. Et a priori, là, vaut mieux sortir le putter. Alors, j'ai pas testé ni les greens, ni quoi que ce soit. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Bon, je suis pas là pour compter, mais un par, ça fait toujours plaisir. Alors, je le connais sur le bout des doigts, ce parcours. Hein, mais je voulais pour une reprise, voilà, un golf que je connaisse, où je pouvais reprendre à la cool. Donc, c'est le cas, sur lequel j'ai quand même des repères, parce que là, il y a des vraies questions de distance, hein, comment les distances ont évolué après ce confinement. Donc, je suis bien content de venir ici. Et là, on va arriver sur le trou numéro 3, qui est en fait mon trou fétiche, mon trou préféré. Allez, je vous présente ça de suite. C'est parti pour le trou numéro 3. J'ai pris un 52. J'espère que je ne vais pas être trop court. On verra bien. Allez, c'est parti. Ah! Tout petit peu court, je suis devant. Un tout petit peu court, je suis devant, mais bon. Voilà, c'est comme ça, hein. Faut remettre la machine en route. Alors, aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'une tenue, hein, casquette blanche et verte, pantalon vert. C'est parce que, comme beaucoup de golfeurs en France, j'ai choisi de rendre hommage au personnel des golfs qui ont tenu l'entretien de nos parcours pendant 2 mois, à savoir les jardiniers, les greenkeepers, tout le personnel du golf qui a travaillé. Donc le vert, c'est pour vous. Et puis le blanc, je vous assure, le polo en dessous est blanc, mais il fait un peu frais. C'est pour le personnel hospitalier qui, pendant ces 2 mois, a quand même fait énormément, énormément d'efforts pour éviter la cata en France. Voilà, ma balle n'était pas super, super puissante, mais je suis là. Le drapeau est là-bas, j'ai repris donc le 52. Hein. J'ai dit que je jouais tous mes clubs parce qu'ils queen depuis 2 mois, ils me réclament de jouer et je ne voudrais pas faire de jaloux parmi tous mes clubs. Donc j'ai déjà joué un fer 7, un fer 8, un fer 6, un 52, un 64. C'est pas mal, mais un tout petit peu court quand même, mais c'est pas mal, j'ai pas à me plaindre. Allez, on prend le putter. Alors, ils sont beaux les greens là.
Ils ont été carottés pendant cette période, ils en ont profité pour faire le plus gros des travaux. Ah! C'est pas mal, c'est pas mal. Hop là! Voilà, ça fait plaisir de reprendre. Je suis pas là pour compter le score, mais quand même, ça fait quand même plaisir de retrouver des sensations, de noter. Allez, un petit bogey ici, c'est plutôt pas mal. Je le connais par cœur, je vous l'ai dit. Et là, hop, direction le trou numéro 4. Les choses sérieuses commencent! Allez, zou! Allez, trou numéro 4, un joli par 4. Et regardez, bah oui, j'ai sorti le driver. Quand même. Ouh! Je ne sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie de le taper. Et puis, il n'y a pas 12 000 endroits pour le taper ici. Il y a deux par 4 de plus de 250 mètres. Alors, il y a encore un peu de joueurs devant. Je ne vais pas prendre le risque, on n'est pas à l'abri d'un bon coup. Il y a du monde, hein, comme sur tous les golfs, il paraît. Alors, je ne sais pas qui est allé au golf. Dites-moi dans les commentaires qui est allé au golf et comment était votre partie. C'est super agréable de pouvoir à nouveau se balader. C'est vraiment un régal, régal, régal. Pas l'intention de la forcer, mais de la mettre sur la piste. Elle a traversé. Alors, elle est passée dans l'arbre. Du coup, elle a totalement freiné, elle n'est pas montée très très haute. C'est probablement pas le meilleur des contacts, mais j'ai joué mon drive, j'ai joué mon drive. Ah, oh, il en faut peu, je vous jure. Je suis extrêmement content, c'est de retrouver, de pouvoir refaire des vidéos. Hein. J'ai fait quelques conneries pendant le confinement, mais il me manquait de la vidéo, ça me manquait de vous faire des vidéos. Et puis là, c'est un vrai bonheur. Je voulais vous partager en fait le bonheur de la reprise. Ça monte. Donc j'ai joué le 7, j'ai joué le 8, je me garde le 9, j'ai joué le 6. J'ai pris mon fer 5. Ah, j'ai pas tapé une grosse balle, mais je vais le raccourcir. Un petit peu puncher en montée. Comment je vais la jouer? Comme ça? Ouais. Allez, je joue ça. C'est pas mal, sauf que ça va aller. Ah si, c'est monté sur le green, mais ça a dû en sortir. J'ai dû sortir du green. Voilà, le défi, c'est de jouer tous mes clubs. Comme ils ont été confinés eux aussi dans leur sac, qu'ils ont couiné pendant 2 mois. Et bien là, j'ai décidé de les aérer un par un. Donc j'ai joué un 7, un 8, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 52, 64. Il me reste un 4, un bois. Ah, j'ai joué le drive. Un 56. Pitch 9. Ça devrait le faire. Le drapeau est là et ma balle est allée se mettre là juste en bordure de fringe là-bas. Donc en 2 ici. Pas mal. Ah, ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule, ça roule, ça roule. Oh putain. Est-ce que vous sentez le bonheur? Est-ce que vous sentez le bonheur là que j'ai à jouer quand même? J'ai ça pour le par. Tout droit, il n'y a pas de. Écoute, un petit bogey. De nouveau. Bogeyman. C'est bien agréable. Allez, deux trous et j'aurais fait ma petite reprise, un petit tour avec en cours. Parce que c'est sympa, dis donc. On s'est quitté quand même. La dernière fois qu'on s'est quitté sur le parcours, la météo, c'était ça. Ici, la nature, c'était ça. Hop! Et là, regardez, la nature s'est éveillée. On est au printemps, à l'approche de l'été. Fairway, rough, c'est absolument magnifique. Donc là, on est au trou numéro 5. 127 mètres, le drapeau est devant. 127 mètres milieu de green. Ah, je suis embêté, attends, j'ai joué quoi? Ah bah voilà, j'avais promis que je sortirais tout le monde. Bon, j'ai joué un 4, hein. Un petit peu punché.
qui va rouler devant. Je vais essayer de la faire rouler devant. Hein. Normalement, je devrais jouer là en descente un 8. Bon, allez, je vais faire un petit 4, puncher, court. Je vais jouer comme ça, tiens. Ouais, je vais jouer ça, tiens. Donc, Écancourt, 400 euros en ce moment, le tarif à l'année pour jouer en illimité sur ce terrain. Que vous soyez débutant, il est fabuleux. 2 par 4, 3 par 3, de 90 à 135 mètres. Donc, des vrais trous. Les par 4 font plus de 250 mètres. Et même si vous êtes bon joueur, regardez l'étroitesse, hein, c'est pas très large. De la végétation, des roughs. En ce moment, les roughs sont bien élevés, sont bien grands, donc pas simple à jouer. Plein de petits obstacles pour travailler ses coups. Et puis vous le voyez, hein, je suis en train de jouer tous les clubs de mon sac. Allez, là j'ai pris un fer 4 que je grippe très court. Le but en fait, c'est qu'elle arrive en roulant devant. C'est de la puncher. Pas mal ça. Oh, c'était pas mal fait. Et je suis bien sur le green. Oh, oh, c'est malin comme coup ça. Défi du jour pour la reprise, faire plaisir à tous mes clubs. Donc là, je crois que j'ai tout sorti. 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 9 et pitch. Il me reste 9 et pitch. Et là, mon petit 4 punché, j'ai réussi à l'emmener sur le green. Bon, j'avais un immense putt à jouer, mais c'est pas grave, hein, c'est le plaisir. Et donc, je vous disais, tiens, quelques bons arguments. Ce que je vais faire, je vais prendre des amis débutants qui ont été confinés. Je vais leur montrer, en fait, tout l'attrait du golf, à commencer par la liberté en pleine nature. Ce sera le plaisir que j'aurai à partager. Donc, profitez-en, c'est le moment hein, pour valoriser un peu l'image de notre sport, que de faire découvrir cette activité de pleine nature sans masque obligatoire. Les masques ne sont pas obligatoires. Ça fait enfin du bien. Je ne sais pas vous, j'ai été étonné, moi, de voir en ville du monde que l'on n'avait pas vu depuis un bail. Et puis du monde avec des masques. Et oui, 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 c'est bizarre. Hein. Allez, un long putt à jouer. Long, long putt. Ouh, il n'est pas simple celui-là. Et en plus, j'ai pas vraiment les vitesses en tête. Pim. Allez. Il en manquait. Ah, pas trop, pas trop, pas trop, pas mal. Je pensais que ce serait plus laborieux pour une reprise quand même. Allez. Ouais. Hop là. Eh ben, petit par sympatoche. Non seulement je joue tous mes clubs, je joue des clubs que j'ai pas l'habitude de jouer dans cette configuration. Et en plus, je fais un par. Mais c'est une journée de rêve pour une reprise. C'est vraiment l'éclateur. Les sensations ne sont pas forcément exceptionnelles, mais il faut se remettre dans le bain. Et il nous reste un dernier petit trou à faire que je vais pouvoir jouer avec mon fer 9. Allez, trou numéro 6 des concours. Allez, fer 9, trou numéro 6 du parcours des concours. Go! Oh, elle est belle! Et elle est montée sur le green. Cool! Cool, 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 les amis. Alors là, j'ai sorti la totale. Hein. Il fait beau, c'est le printemps. J'ai sorti le drone, la caméra, le pantalon vert, la casquette blanche, le sourire, alors pas ultra bright, mais le sourire. J'ai sorti le plaisir d'aller golfer. J'ai sorti tous les clubs et en fait, je suis ravi de vous partager ce moment qui est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Donc, une balle sur le green pour terminer ce parcours d'Écancourt, cette vidéo de déconfinement.
Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, j'ai sorti le putter. Ah non, il va en manquer sur celui-là. Ah! Elle n'est pas sortie. Ah! Allez. Un bogey. Hop, avec le système pour récupérer la balle. Et bien voilà. Trois putts, un bogey. C'était le golf d'Écancourt. Ça m'a fait très plaisir de vous partager cette vidéo, les amis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pense à t'abonner, ça se trouve juste en dessous pour être notifié des prochaines vidéos. À bientôt !